Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft, et aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur nos nouveaux amis, les Hoglins. C'est parti! Pour commencer, saviez-vous que les Hoglins étaient les seuls mobs hostiles que l'on pouvait faire s'accoupler? Vous pouvez les faire s'accoupler avec des Crimson Fungus, des champignons de Crimson. Regardez ça, j'en donne un à lui, j'en donne un à lui, et regardez ça, ils font un bébé. Alors qu'à la base, ce sont des mobs hostiles. C'est le seul mob de tout Minecraft que l'on peut... Oh, 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 c'est un bug ça? Ça m'a mis le menu échappe? Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Minecraft va crash? Mais regardez ça! C'est quoi? Ils étaient complètement imbriqués, ils ont fait bugger le jeu. Ouais, comme quoi la snapshot a encore beaucoup besoin de modifications. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Alors vous dites peut-être, mais comment est-ce qu'on peut, dans un jeu Minecraft normal, faire accoupler deux Hoglins? Parce que c'est vrai qu'à la base, ils sont hostiles. Ils sont censés vous attaquer. Et c'est vrai. Sauf que, les amis, le Hoglin est également l'un des rares. D'ailleurs, est-ce que c'est le seul? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, mob hostile qui apparaissent quand même dans Minecraft. Lorsque vous mettez en difficulté Peaceful, il continuera d'apparaître et il ne vous attaquera pas. Par contre, il vous attaquera, regardez ça, si je passe en game mode survie, hop, survie, il ne m'attaque pas. Cependant, si je mets en difficulté Easy, par exemple, regardez ça, il devrait m'attaquer. Merci. Voilà, très bien. Alors, il y a un truc super drôle et super mignon avec les Hoglins et aussi les Piglins. Regardez ça, j'avais vu un Piglin tout à l'heure ici. Hop, je vais prendre un de ses œufs. Regardez ça, c'est absolument, mais je trouve ça trop mignon. Regardez ça, je vais faire apparaître plein de petits bébés. Voilà, plein de petits bébés Piglins. Je vais me débarrasser des adultes pour pas que ça parte en live en mode chasse aux poupies aux Hoglins. Et regardez ce qu'il se passe lorsqu'il y a des bébés Piglins à côté de bébés Hoglins. Regardez, c'est trop mignon. Alors, par contre, il faut qu'ils soient en nombre inférieur, il faut qu'il y ait moins de Hoglins que de bébés Piglins. Regardez ça, les bébés Hoglins chassent les bébés Piglins, et regardez ça, avec un peu de chance, on devrait pouvoir voir un événement où le bébé Piglin joue avec le bébé Hoglin, où il monte carrément sur les bébés. Regardez ça, voilà, c'est bon, il est monté dessus, regardez ça, les bébés Piglins qui montent sur les bébés Hoglins, c'est trop mignon, et là, regardez ça, il est encore monté dessus. Et en fait, lorsqu'il y a beaucoup de bébés Piglins avec des bébés Hoglins, et bien dans ces cas-là, ils vont tous suivre celui qui est monté sur le bébé Hoglin pour attendre leur tour, et dès que le bébé descendra du Hoglin, et bien ils se précipiteront pour prendre sa place et pour monter dessus. Je trouve ça trop mignon, et en même temps c'est tellement triste quand tu songes au fait que bah tout simplement à la fin ils vont devenir ennemis. À la base ça, les Hoglins c'est les sources de bouffe pour les Piglins adultes, ils les chassent, donc c'est vrai que c'est un peu triste, mais en même temps c'est trop mignon, donc on va juste dire que c'est trop mignon. Saviez-vous que les Hoglins faisaient entre 1 et 2 cœurs de dégâts? Ça va de 1 cœur et demi, 2 cœurs de dégâts selon votre niveau de difficulté. Et les bébés Hoglins, quant à eux, font un demi-cœur de dégâts. Alors que c'est vrai que la plupart des bébés, quand on pense aux bébés zombies, aux bébés Piglins, etc., les bébés, même aux cochons zombies, ils font beaucoup plus de dégâts, ils sont même plus dangereux, alors que eux, non. Saviez-vous que les Hoglins apparaissaient toujours par groupe de 4 dans les Crimson Forest et ils avaient 25% de chance d'apparaître en bébé, exactement comme les Piglins, ce qui est un taux plutôt élevé. Saviez-vous que les Hoglins droppaient toujours entre, enfin minimum 2 côtes de porc, et cela peut monter jusqu'à 4, et ça monte de 1 par looting, par niveau de looting de l'épée, là par exemple je n'ai que chopé 4, ouh, bah j'ai eu de la chance là. Et ça drop également entre 0 et 2 cuirs, ça ne drop pas du cuir à chaque fois, et cet événement augmente également de 1 par looting. Par exemple, si vous avez looting 1, vous avez obligatoirement une chance alors attends, je dis peut-être une bêtise, peut-être que vous avez plutôt entre 0 et 5 chances de... d'avoir... enfin, 0 et 5 cuirs. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je suis pas sûr, mais en tout cas, vous pouvez avoir jusqu'à 5 cuirs, jusqu'à 6, jusqu'à 7 cuirs, selon votre niveau de looting sur votre épée. Saviez-vous que lorsque vous tapiez un bébé Hoglin en niveau autre que facile, il ne vous attaquait pas en retour, mais au contraire, il fuyait. Et il y a aussi un truc très particulier, regarde, alors...
Je sais pas si ça va marcher, hein. Ça c'est le genre de truc, voilà, je vais découvrir un petit peu sur le tas avec vous. Mais apparemment, lorsque vous êtes proche d'un warp fungi, en fait, le petit champignon qui permet aux cochons de copuler, de faire des bébés, eh bien, normalement, je vais mettre en easy, hein, le truc de base, normalement, il ne vous attaque pas. Regardez ça, il va arriver, mais regardez ça, si je le tape, vous voyez, il a fui. What? Qu'est-ce que c'est? Oh, je me suis pris un truc de... Non, je me suis pris un truc de ghast. Bon, déjà, vous avez pu constater que le bébé a fui lorsque je l'ai tapé, il n'a pas continué à m'attaquer, donc voilà, ça valide bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas du mytho. Et maintenant, si je reteste, mais peut-être avec une armure quand même, hein, on le sait jamais, voilà, je mange une pomme enchantée, et effectivement, il ne m'attaque pas. Regardez ça, je suis entouré par les petits champignons, et il m'attaque pas. Bah, nickel, ça. Et si je passe en hard, est-ce que ça change quelque chose? Ah non, ils viennent pas m'attaquer. Ah, c'est lourd. Comme quoi, les mecs sont vraiment attachés à leurs petits champignons, hein. Saviez-vous que le nom de Hoglin a été choisi par la communauté? À la base, ces petits Hoglins devaient s'appeler les Piglin Beasts en anglais, les bêtes de piglin. D'ailleurs, je crois même qu'il y avait un nom français qui avait été choisi, mais bref, moi personnellement, je trouve que le Hoglin, je trouve ça très sympa comme nom. Et oui, je dis Hoglin et pas Hoglin parce qu'on est en France. Alors les Américains disent Hoglin, mais nous on est en France, donc je dis Hoglin. Et je trouve que le nom va très très bien. Hoglin, ça fait un peu gobelin, ça fait un peu nether, tu vois, les tréfonds des enfers, donc je trouve que Hoglin c'est très stylé. Donc je dirais Hoglin. Et ça c'est des piglins. Saviez-vous que les Hoglins avaient été codés comme étant les seuls mobs du Nether qui ne pouvaient pas apparaître dans le biome des Nether Wastes? À quoi correspond le biome des Nether Wastes, me direz-vous? Eh bien, j'en ai absolument aucune idée, mais je vous mets une photo à l'écran du biome, donc voilà, ils peuvent pas apparaître dans ce biome. Voilà! Saviez-vous que le bébé Hoglin était le mob le moins dangereux de Minecraft? Enfin, le mob hostile, évidemment, le moins dangereux de Minecraft, avec, à égalité avec le Silverfish. En effet, ils ne font qu'un seul demi-cœur de dégâts, c'est 3 fois rien. Et puis en plus, contrairement au Silverfish, si vous le tapez, il fuit. Donc en fait, techniquement, c'est vraiment le mob hostile le moins dangereux de Minecraft. Vous le tapez, il fuit. Contrairement au Silverfish qui s'accroche à la vie. Transition cochon. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les Hoglins. J'espère t'avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu à cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, feu, voilà, High five!